19h. L'insécurité persiste toujours au centre du pays. Au moins 4 personnes, dont 3 femmes et un jeune garçon, ont trouvé la mort dans l'explosion d'un engin improvisé dans le cercle de Bankass. Les détails, ça sera dans ce journal. La traque des terroristes sur l'ensemble du territoire national reste la priorité des forces armées maliennes. Ces derniers jours, ils ont neutralisé plusieurs terroristes dans le secteur de Mourdjan, dans la région de Nara. Les usagers et riverains de la route hôpital du Mali Yirimadjo souffrent de martyrs. La circulation est rendue difficile à cause de la mare qui se trouve en plein centre de la route. Une situation qui suscite la colère des riverains. Un reportage de la Sindjakité à suivre dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 8 ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé lors de son discours du Nouvel An 2024 l'appropriation nationale du processus de paix. Cela signifie l'exclusion de la médiation internationale en faveur d'un dialogue direct entre les Maliens pour parvenir à un retour de la paix et de la réconciliation. Ainsi, à la question de savoir si un dialogue direct entre les Maliens peut être une solution à la crise sécuritaire au Mali, le directeur de publication du journal Mali Tribune, Alexis Calambry, trouve que cette option peut-être une solution. Je vous propose ici et de l'écouter au micro de Amadou Diarra. Pour moi, c'est important que ça soit, disons, qu'on rapatrie toute la procédure et les négociations. Mais bien entendu, ça n'exclut pas deux choses. Un, que ceux qui peuvent faciliter, aider le fassent. Mais oui, le plus important, c'est que ça se passe directement entre nous. Les médiateurs étrangers ont montré leurs preuves. Il est temps que ça soit vraiment local et interne. On a beaucoup de leviers pour ça. Hein? On a beaucoup de leviers. Vous avez les chefs traditionnels, vous avez les autorités politiques et administratives, vous avez les leaders communautaires et vous avez, pourquoi pas, les chefs religieux. Mais on a à l'interne suffisamment de leviers sur lesquels agir et ou qui peuvent s'impliquer pour cela. Donc je pense que oui, c'est important qu'il y ait la confiance entre nous. Ce n'est pas exclure l'Algérie, c'est un problème malien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'entends pas avec mon frère, je demande à un étranger d'intervenir entre nous. Après, je préfère directement parler avec mon frère. Là, je n'exclus personne, je règle mon problème entre frères. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut comprendre. On n'exclut pas l'Algérie. Normalement, si ça se passait bien, l'Algérie n'a pas sa place dans nos problèmes internes. Rien n'est perdu. Il nous faut juste repartir sur des bases. Ce n'est pas, l'accord n'est pas mort de sa belle mort. L'accord d'Alger est une base de discussion. Les mouvances du Nouvel An sont toujours accompagnées de tragédies, notamment les accidents de circulation. Cette année, fort heureusement, les multiples campagnes de sensibilisation semblent porter leurs fruits. Un tour dans le service d'urgence de l'hôpital du Mali nous permet de constater une réduction de taux d'accidents comparativement à l'année dernière. Aminata Bachokone, Zakaria Omar Keïta, reportage. Entre la joie des festivités et l'incivisme sur les routes, les services d'urgence de l'hôpital du Mali ont accueilli 14 victimes d'accidents de la circulation routière avec malheureusement un cas de décès entre le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024. Comparé à l'année précédente, ce chiffre est à la baisse selon le chef du service des urgences de l'hôpital du Mali. Chose qui est vraiment très encourageante compte tenu des autres années.
précédente, mais cette année, il y a eu vraiment une maîtrise. C'est beaucoup plus encourageant. C'est que toutes ces victimes que nous avons eu 4 à la permanence, nous avons 10 pendant la garde, ce qui fait un total de 31 au premier. Nous avons eu au total 14 victimes d'accidents de la circulation routière. Une remarque inquiétante est dégagée de ces cas d'accidents de circulation. Il s'agit de la fréquence des accidents liés à l'état d'ébriété des conducteurs pendant les périodes de fête. Dans les jours où il y a eu des accidents, dont le mécanisme c'était des motos télémanie, mais la nuit c'était surtout des états d'ébriété et c'est des et encore à la montée des ponts. Comme vous avez le matin, il y a eu 2 bébés, parmi lesquels malheureusement un bébé de 4 mois, au dos de sa maman, malheureusement n'a pas eu de chance. Et la nuit, c'était des tranches d'âge vraiment de 24 à 34 ans. 24 à 34 ans, conduite en état d'ébriété et sur des agents à déroulement. Le passage au nouvel an a toujours été entanché d'incidents malheureux, dont des accidents de circulation. Une situation qui nous interpelle à repenser nos habitudes et de promouvoir une célébration responsable pour assurer la sécurité et le bien-être de tous. Et Marigot, c'est comme cela que les révérends surnomment la Mardo qui est en plein centre de la route hôpital du Mali, Yirimadjo. Elle cause énormément de désagréments aux usagers de cette route et aux riverains. Depuis le bitumage de cette route il y a environ 7 mois, malgré les interpellations des usagers, ce problème reste sans issue. La population interpelle une fois de plus les autorités municipales à vite trouver une solution à cette situation. La Sindjakiti. Depuis des mois, les usagers de la route hôpital du Mali Yirimadjo, plus particulièrement à quelques enclavures du terrain CSK, sont confrontés à ces problèmes d'eau qui rend difficile la circulation. D'où des questionnements sur la gestion du fonds alloué à la construction de cette route. J'interpelle le vérificateur général et l'OCLE pour qu'il saisisse l'entreprise qui a fait ces travaux et la direction nationale des routes, car on doit se poser la question si réellement les fonds déboursés pour les travaux a été vraiment investi. Après plusieurs interpellations des autorités communales à sans suite, les riverains ont décidé de prendre les choses en main en barricadant les passages des eaux usées menant à leur concession. Pour ces gestes, plusieurs chefs de famille ont été embarqués par la brigade de la gendarmerie. Le vendredi passé, quand je m'apprêtais pour aller à la mosquée, ils sont venus nous arrêter alors qu'on n'a rien fait. Ils nous accusent d'avoir bloqué le passage de l'eau. Arrivé à la brigade de la gendarmerie, nous avons demandé celui qui a porté plainte et ils nous disent que c'est l'État, alors que l'État, c'est nous tous. Quant aux élèves, ils sont très souvent victimes d'accidents de circulation à cause du mauvais état de la route à ce niveau. Chaque fois, on vient m'annoncer qu'un de mes élèves a été victime d'accident à ce niveau. L'état de cette route est très déplorable et quand on veut la réparer, il nous en empêche. En plus du désengagement causé aux usagers de la route, cette situation constitue un grand danger sur leur santé. Nous sommes tous malades. Dans chaque famille, tu verras 2 ou 3 personnes malades. Nous leur demandons de réparer cette route. S'ils ne peuvent pas, qu'ils nous disent. Face à cette situation, les riverains lancent un appel pressant aux hautes autorités de la transition afin que justice soit faite et que ces problèmes soient résolus à tout jamais. Aussi, ils se disent prêts à porter plainte contre l'entreprise chargée de la construction de cette route. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la sécurisation du territoire national
Et la lutte contre le terrorisme à travers le pays reste la priorité des forces armées maliennes. C'est ainsi que depuis quelques jours, elles intensifient la traque des terroristes dans le secteur de Mourdja. Les opérations ont permis de neutraliser une base des groupes armés terroristes. Adam Tangara nous en parle. Depuis l'attaque complexe sur l'emprise des Fama à Mourdja dans la région de Nara, la traque contre les groupes armés terroristes s'est intensifiée dans la localité de Mourdja. Conformément aux instructions données par l'état-major général des armées, la riposte des Fama soutenue par les forces spéciales et les vecteurs aériens a permis dans un premier temps de rétablir la position des Fama dans le camp en éliminant plusieurs terroristes en fuite. Dans le même secteur, les Fama, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, ont découvert ce dimanche 31 décembre 2023 la base des terroristes ayant attaqué la localité de Mourdja. Ainsi, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales dont la première a permis de détruire la dite base et neutraliser des terroristes à quelques kilomètres de l'est de Mourdja. La seconde frappe, toujours dans la même base au sud-est de Guiré, a permis de détruire un pick-up et neutraliser ses occupants. Comme dans le secteur de Mourdja, les forces armées maliennes restent mobilisées dans d'autres parties du pays pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Selon l'état-major général des armées, une tentative d'infiltration des groupes armés terroristes a été déjouée dans la ville de Ménaka ce mardi 2 janvier 2024. Elle s'est résumée à des échanges de tirs entre les groupes terroristes et les agents au poste de contrôle vers la sortie en direction d'Anderabukan. Le bilan provisoire fait état de 3 victimes terroristes, précise l'état-major général des armées. Aussi, les Fama ont procédé à des frappes dans les zones de refuge des terroristes au sud-est de Ménaka. La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les assaillants, nous rassure l'état-major général des armées. Tout en présentant ses condoléances aux victimes collatérales, l'état-major général des armées rassure les populations de Ménaka de la détermination des Fama à les protéger, eux ainsi que leurs biens. Les groupes armés terroristes, dans leurs pratiques lugubres, n'ont pas de cible spécifique. Militaires, civils, femmes, enfants, personne n'est épargné. Fin décembre 2023, un engin explosif improvisé, posé par des individus mal intentionnés, a causé la mort d'au moins 4 personnes, dont 3 femmes et un jeune garçon. Le récit avec Alamakou Diabati. 4 morts, dont 3 femmes et un jeune garçon, c'est le bilan d'une explosion d'engin improvisé dans le cercle de Bankas, rapporte nos confrères de Studio Tamani. Une charrette transportant des femmes en provenance de Sama, commune de Ségué, a sauté sur un engin explosif improvisé. Le drame s'est produit le jeudi 28 décembre 2023 entre Sama et Gomosagou. Aussi, pour cause d'insécurité, les maires de Bankas et de Kanibonzon ont décidé d'interdire la circulation sur la route dite route Serpent dans leur circonscription selon la même source. La mesure prise le 27 décembre 2023 concerne seulement les groupes porteurs. L'objectif de cette décision des municipalités est de préserver des vies humaines. A noter que cette mesure intervient au moment où la route nationale 15 entre Badjangara et Bankas reste impraticable. La prise en charge des déplacés dans la commune de Loulouni, dans le cercle de Kadjolo, préoccupe les autorités communales. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Le maire de la commune a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation des populations pour une forte contribution pour la prise en charge des déplacés. Et selon le maire, précise la même source, c'est-à-dire Studio Tamani, la commune a enregistré plus de 170 réfugiés venus du Burkina Faso les 2 dernières semaines du mois de décembre 2023. Composés majoritairement de femmes et d'enfants, ils sont repartis dans les villages de Kadondougou, de Loulouni,
de Ngologasso, tous dans la commune de Loulouni, dans le cercle de Kadjolo. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.